La lettre de Saint Paul aux Galates. Lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans recourir à aucun conseil humain, ni monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. Ensuite, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours auprès de lui, sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais mon visage était inconnu aux églises du Christ en Judée. Simplement, elles avaient entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Ensuite, au bout de 14 ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'emmenais aussi Tite avec moi. Or j'y montais à la suite d'une révélation, et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais aussi dans un entretien particulier aux personnes les plus considérées, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, un grec, à la circoncision. Ça aurait été à cause des faux frères, intrus qui s'étant ainsi nommés, épiaient notre liberté, celle qui nous vient de Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. À ces gens-là, nous ne sommes pas soumis, même pour une concession momentanée, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue pour vous. Mais en ce qui concerne les personnalités, ce qu'ils étaient alors, peu m'importe, Dieu ne regarde pas à la situation des hommes. Ces personnages ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils virent que l'évangélisation des incirconcis m'avait été confiée, comme à Pierre celle des circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour l'apostolat des circoncis avait aussi agi en moi en faveur des païens, et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabas en signe de communion, afin que nous allions, nous vers les païens, eux vers les circoncis. Simplement, nous aurions à nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire.
saint Augustin pour la fête des apôtres Pierre et Paul. Le martyre des saints apôtres Pierre et Paul a fait pour nous de ce jour un jour sacré. Nous ne parlons pas de quelques martyrs obscurs. Ce qu'ils proclament a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'au bout du monde. Ces martyrs ont vu ce qu'ils ont prêché, après avoir vécu selon la justice, en proclamant la vérité, en mourant pour la vérité. C'est le bienheureux Pierre, le premier des apôtres, celui qui aimait fougueusement le Christ, qui a eu le bonheur de s'entendre dire « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. » Car lui-même venait de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et le Christ lui dit alors « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Sur cette pierre je bâtirai la foi que tu viens de confesser. Sur cette parole que tu viens de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. Car tu es Pierre. Le nom de Pierre vient de la pierre, et non l'inverse. Le nom de Pierre vient de la pierre, comme chrétien vient de Christ. Ainsi que vous le savez, le Seigneur Jésus, avant sa passion, choisit ses disciples et leur donna le nom d'apôtres. Parmi eux, c'est Pierre qui, presque en toutes circonstances, mérita de personnifier toute l'Église à lui seul. C'est parce qu'il personnifiait l'Église à lui seul qu'il a eu le bonheur de s'entendre dire « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » En effet, ce n'est pas un homme seul, mais l'Église dans son unité qui a reçu ces clés. Ceci met en relief la prééminence de Pierre, car il a représenté l'universalité et l'unité de l'Église lorsqu'il lui fut dit « Je te confie alors » que c'était confié à tous. En effet, pour que vous sachiez que c'est l'Église qui a reçu les clés du royaume des cieux, écoutez ce que le Seigneur dit à tous ses apôtres dans un autre endroit. Recevez l'Esprit Saint, et aussitôt, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Et c'est encore à juste titre que le Seigneur, après sa résurrection, confia à Pierre en personne la charge de faire paître ses brebis. Car il n'est pas le seul parmi les disciples qui méritait de faire paître les brebis du Seigneur. Mais si le Christ parle à un seul, c'est pour mettre en valeur l'unité. Et il s'adresse en premier à Pierre, parce que Pierre est le premier parmi les apôtres. Ne sois pas triste, apôtre, d'être interrogé trois fois. Réponds une fois, réponds deux fois, réponds trois fois. Que ta confession soit victorieuse trois fois par l'amour, parce que ta présomption a été trois fois vaincue par la crainte. Il faut délier trois fois ce que tu avais lié trois fois. Délie par l'amour ce que tu avais lié par la crainte. Et cependant, le Seigneur, une fois, deux fois et trois fois, a confié ses brebis à Pierre. En un même jour, on célèbre la passion de deux apôtres. Mais ces deux ne faisaient qu'un, bien qu'ils aient souffert à des jours différents. Ils ne faisaient qu'un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Nous célébrons le jour de fête de ces apôtres consacrés pour nous par leur sang. Aimons leur foi, leur vie, leur labeur,
leurs souffrances, ce qu'ils confessaient, ce qu'ils prêchaient. Thank you.
Thank you.
Et la chaleur bénisse.
La première lettre de saint Pierre. Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Oppressor, avoir qui est mon nom,
Tu as prié pour que la foi de Pierre ne sombre pas. Affermis aujourd'hui la foi de ton peuple. Après ta résurrection, tu t'es manifesté à Pierre, puis à Paul. Éclaire nos cœurs pour que nous affirmions que tu es le vivant. Tu as choisi Paul comme apôtre des nations païennes. Donne-nous d'annoncer l'Évangile par toute notre vie. Ta miséricorde, tu as pardonné à Pierre son reniement. Oublie aussi tous nos péchés. Dans ta bonté,
Tu confies ton Église et les missionnaires de l'Évangile à l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul. Comble de tes bénédictions toutes les personnes placées sous leur patronage. Amen.
Merci.